I was wondering if you wouldn't mind transporting something for me. No questions asked. Why not? Et alors là, ça part complètement en sucette, de manière quasi jouissive. La suite, elle a la même équipe quasiment, elle change de décor puisqu'on n'est plus en France et on débarque à Miami. Et alors c'est le Dawa complet, le transporteur de Corey Yuen et Louis Leterrier. C'est un Dawa absolument phénoménal. L'histoire, pour faire simple, Frank Martin est toujours un transporteur, sauf qu'il s'occupe surtout de transporter le jeune Jack Billings de chez lui à son école et de l'école à chez lui. Mais du jour au lendemain, il va se retrouver à devoir sauver ce petit garçon qui, parce que son père est très riche, s'est fait enlever et s'est fait injecter un virus mortel. Dans le genre n'importe quoi, on atteint un sommet total avec ce transporteur 2 qui est à mi-chemin entre la blague et le fun complet. C'est-à-dire que ce film est totalement à part. Il est totalement à part dans le sens où, déjà, il a un scénario complètement con et il a deux metteurs en scène qui en prennent conscience de cette connerie et qui décident de partir en sucette, mais de manière totale, quoi. Que ce soit dans la manière de mettre en scène l'action, dans la manière de faire les plans et dans la manière de concevoir les personnages. C'est absolument dingue, mais il y a une conception de ce film qui est totalement en décalage avec la réalité et qui cherche uniquement à nous faire prendre un pied qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de prendre devant ce genre de long métrage. Enfin, c'est dingue, quoi. Il y a des séquences dans ce film, on se demande d'où ça sort et on se demande qui a pu avoir l'idée complètement, je sais pas, conne ou géniale de faire ce genre de truc. Enfin, c'est absolument dingue. Bon, déjà, le scénario de Robert Mark Kamen et Luc Besson, c'est une blague. C'est une énorme blague, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est con, c'est insipide, c'est complètement débile. Une espèce d'histoire mêlant un transporteur, une guerre bactériologique, un parrain de la drogue et un milliardaire. Qu'est-ce qui a pu passer par la tête de ces deux auteurs? C'est comme Taken 2. C'est-à-dire que Taken 2, il avait quasiment le même scénario que le 1, sauf qu'à la place que ça soit la fille qui se fasse kidnapper, c'était les parents, et ça mêlait des terroristes, des membres de la famille, enfin, c'était n'importe quoi. Et là, on est un petit peu dans ce même principe d'idée complètement débile de remettre les choses, mais encore plus excessives et encore plus connes, dans un scénario qui n'a quasiment aucun sens, puisque tout au long du film, on se demande vraiment qu'est-ce qui mène les personnages à faire ça. Pourquoi le personnage du mafieux colle un virus dans le gamin? Pourquoi il veut faire en sorte que ça contamine tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il veut faire en sorte de contaminer tous les gérants politiques du monde entier et faire en sorte que toute la planète tombe malade? On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Parce que c'est drôle de le faire, tout comme un méchant de James Bond aurait très envie de détruire l'humanité, et il s'en branle de ce qui se passera ensuite et de comment on arrivera à vivre par la suite. Il n'y a rien à en redire de ce scénario parce qu'il est tellement con en fait qu'il est mauvais du début à la fin. Mais là où il y a une idée géniale, c'est de laisser la main à Corey Yuen et Louis Leterrier. Et là, ils ont eu une totale liberté de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait n'importe quoi. Un peu à l'image de John Woo sur Mission Impossible 2. C'est-à-dire qu'il avait un scénario qui était pourri et il a essayé de le transformer en un objet de cinéma complètement fantasmé et iconique. C'est-à-dire que toutes les scènes d'action sont surfaites, mais dans le sens surfait, dans sa définition la plus pure. Je défie quiconque d'arriver à reconcevoir une scène d'action où une Russe en blouse blanche ouvre sa blouse, se retrouve en porte-jartelle et en soutif, à buter Jason Statham avec deux Uzi avec des putains de silencieux dessus, et en plus que l'alarme incendie se déclenche et qu'elle se retrouve complètement trempée. Soit c'est très beauf, soit c'est du putain de génie.
On préfère opter pour le putain de génie plutôt que pour le gros beauf, mais il y a des idées comme ça qui jalonnent tout le film, c'est excessif à un degré, ça en devient jouissif tellement c'est con. Ça en devient littéralement puissant de conneries. On est fasciné par ce que Louis Leterrier et Corey Yuen essayent de développer tout au long du film. Il y a une scène d'action bagnole où Jason Statham arrive quand même à retourner sa caisse, à faire décrocher une bombe qui assaut sa caisse par une grue et à ratterrir sur ses quatre roues. Comme si tout cela était normal. C'est pas loin d'être du pur génie, d'avoir des idées à la con comme ça. Là, pour le coup, voilà, on peut pas vraiment en dire grand-chose pareil, parce que tellement, tout est tellement excessif, tout est tellement poussé à l'extrême, tout est tellement conçu dans une débilité de scénario où il faut adapter la mise en scène à cette débilité, que résultat, on en ressort, on a tout simplement la sensation d'avoir vu une œuvre qui est unique en son genre. Un film qui n'a rien de normal, en fait. Tout simplement de normal. Parce que c'est excessif, c'est délirant, c'est poussé à l'extrême. Et ça marche, quoi. C'est con à dire, mais ça marche, quoi. Même si c'est débile, ça marche. Et on en ressort vraiment ébahi par la connerie de ce film qui en devient littéralement jouissif. Au niveau du casting, encore une fois, Jason Statham, nickel, rien à redire là-dessus. Plus au niveau des seconds rôles, Alessandro Gassman, qui joue le méchant du film. Excessif, mais plutôt fandard. Mais la vraie surprise de ce long métrage, elle se nomme Kate Nota. Et c'est la femme qui joue cette fameuse russe en porte-jartelle et en soutif. Elle surjoue à mort, mais elle sait qu'il faut surjouer à mort pour faire en sorte que le film soit fandard. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire. C'est juste jouissif d'avoir joué comme ça, c'est à mourir de rire, c'est excessif. Ah, c'est parfait. De ce point de vue-là, c'est parfait que cette actrice-là ait choisi d'aller dans cette direction-là. Donc voilà, le Transporteur 2, c'est une connerie tellement monumentale que ça en devient fandard, que ça en devient fun, que c'est cool. Ça se savoure, quoi, il n'y a pas à en demander plus. Et puis, c'est vrai que c'est débile à un degré monumental, mais ça fait rire, quoi. Ça fait rire tellement ça va dans l'excès. Et donc, résultat, il y a tout de même eu un 3, qui est quand même sorti 3 ans après la sortie du 2, et qui va enterrer la saga Le Transporteur pendant 7 ans.